Bon, voilà la configuration Athlon X2, donc équivalent à un dual core Intel. Alors là, vous voyez, le lecteur s'est ouvert. Alors, comme vous voyez, il fonctionne bien. Il y a le disque dur qui a été changé. Voilà, donc 3 Go de RAM, processeur Athlon 2 X2 2.7. Donc disque dur de 250 gigas. Le lecteur, donc c'est un DVD graveur. Bon ben voilà.